Salut, salut! Aujourd'hui, dans ce direct du jour, je vais te parler de fatigue chronique et plus particulièrement de sortir de la fatigue chronique. Alors, comment on peut savoir qu'on est en fatigue chronique? Définition simple, c'est une fatigue extrême qui t'handicape au quotidien et qui dure au moins 6 mois. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 domaines à équilibrer impérativement pour retrouver l'énergie. Moi, je suis Solange Aimé, coach pour une santé régénérée. Et j'ai vécu la fatigue chronique pendant des années avec des hauts et des bas. Et ça ne tenait pas lorsque je retrouvais l'énergie, ça avait du mal à tenir. Aujourd'hui, j'ai enfin retrouvé l'énergie de manière durable et stable. Et mon énergie a tendance à augmenter. Ça fait un an que je suis ultra motivée et que je note sur 10 mon niveau d'énergie et mon humeur. Et je suis extrêmement heureuse puisque début novembre, j'étais autour de 7 sur 10, donc déjà j'étais contente. Et là je suis en train d'arriver, voilà, ça dépend des jours, mais autour de 8 sur 10. Je suis très très contente. Aujourd'hui, voilà, par le passé, j'avais des journées, j'étais tellement fatiguée que j'avais du mal à m'occuper des enfants. J'étais affalée dans le lit, dans le canapé, j'avais du mal à me lever le matin. Je me levais vers 11h, je me couchais à 21h, j'en pouvais plus après avoir couché les enfants. La montagne de vaisselle, le linge à s'occuper, enfin, c'était vraiment infernal, j'étais très très mal et extrêmement frustrée de pas pouvoir faire des choses du quotidien ou m'occuper de mes projets. Et aujourd'hui, eh ben, je suis capable de travailler en restauration, je suis capable d'avoir des entraînements de danse de 4 heures tous les samedis, de faire plus ou moins une heure de sport par jour aussi en plus de cela. Donc voilà, je suis très heureuse et j'ai envie de vous partager mes clés, mes méthodes pour y arriver et donc trouver un équilibre entre ces donc, 3 domaines dont je vais vous parler. Pour moi, c'est ce qui a marché, ce qui était le plus important, puisque quand je travaillais, quand j'essayais d'améliorer un domaine de ma vie, ça tenait pas. C'est au bout de quelques jours, l'énergie retombait, ça ne marchait pas. Donc quels sont ces 3 domaines? Je vais vous donner un premier exemple. Premier domaine, le sommeil, le repos. Bien sûr, extrêmement important, je dirais, numéro 1 pour retrouver l'énergie. Par le passé, voilà, j'avais du mal avant d'avoir les enfants déjà, je sortais en boîte, je faisais des nuits blanches, j'étais sur l'ordi jusqu'à 3h du matin. Quand j'ai eu les enfants, j'avais du mal à me coucher avant 1h minuit. Si je me couche à minuit, c'était déjà exceptionnel. Donc déjà de base, je partais pas avec des bons acquis au niveau de ce domaine-là, de prendre soin de mon énergie, de mon sommeil. J'étais tout le temps en train de vouloir faire plein de choses. Et donc ça, c'est un autre domaine aussi, c'est la gestion de son temps, de ses priorités, de sa to-do list, qui a un impact sur notre sommeil et notre repos, mais je vais particulièrement parler du coup. Je parlerai certainement de la gestion de tout ça dans une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine aussi, mercredi, pareil. Non, parce que du coup, je vais vous parler de fatigue chronique 3 fois par semaine, a priori, dans ces petits directs. Donc, rendez-vous peut-être vendredi pour parler de ça. Donc, le sommeil, il y a eu une période où du coup, je voulais vraiment aller mieux. Et donc, je me reposais beaucoup. J'étais toute la journée, j'essayais d'en faire le moins possible. J'étais soutenue par des personnes de mon entourage. Et je dormais la journée, sinon je me reposais, j'étais dans le canapé, dans le lit. Je faisais des longues nuits, je faisais des grasses matinées. Et malgré ça, j'arrivais pas à sortir de la fatigue chronique. Bon, il y a eu les plantes médicinales, ça c'est on va dire un petit bonus en plus des 3 domaines, des plantes médicinales qui m'ont aussi énormément aidé à sortir de la fatigue chronique. Mais ça ne suffit pas de prendre juste les plantes si ces 3 domaines ne sont pas équilibrés. Si vous voulez en savoir plus sur ces plantes médicinales, je vous invite à télécharger dans un premier temps mon livret Burnout et fatigue chronique, 20 mauvaises habitudes et croyances qui vous empêchent de retrouver l'énergie. Et suite à ça, je vous enverrai des informations sur les plantes médicinales qui m'ont aidé à retrouver l'énergie. Donc, première étape, le sommeil, le repos. Moi, si je faisais que ça, ça n'a pas marché. Les plantes médicinales, ça m'a aidé, mais ça ne faisait pas tout. Ensuite, si je me reposais et que je reprenais un petit peu d'activité sportive, alors notamment moi je pratique le Son Mudo, un art martial zen coréen, et c'est une pratique très intéressante puisqu'on travaille le renforcement musculaire, l'assouplissement au niveau des énergies, des méridiens aussi,
Donc, pour moi, c'est une pratique très complète. Et on peut faire des exercices de manière très douce ou quand on a l'énergie, quand on a envie, de manière un peu plus martiale, en mettant plus d'énergie. Et donc, il y a eu des moments où bon, je dormais plus ou moins bien, mais je ne faisais pas forcément très attention à mon sommeil, à mon repos. Et l'alimentation, bon, j'étais un peu en flemme, je n'avais pas l'envie, la motivation de refaire attention à mon alimentation, mais je me suis dit, j'ai envie, allez, je sais que ça me fait du bien quand je reprends le sport. Donc, je reprenais par 10-20 minutes. J'essayais de faire 20 minutes de son modo par jour, à peu près, ou vraiment si je ne pouvais pas tous les 2 jours. Mais quand je reprenais l'activité, j'arrivais à faire 20 minutes par jour au bout on va dire, de 3-4 jours. Et au bout de quelques. Bah, très rapidement, en fait, c'est vrai que c'était assez hallucinant puisque. Dès le jour même, en fait, le fait de reprendre une activité, de remettre le corps en mouvement, de stimuler, de faire circuler l'énergie au niveau des méridiens partout dans le corps, ben le soir, je pétais la forme en fait. Juste de faire une activité comme ça le matin, le soir, j'arrivais plus à dormir, j'avais tellement d'énergie. Mais le truc, c'est que si on change du tout au tout comme ça, il y a une forme de déséquilibre. Il vaut mieux changer petit à petit et sur tous les domaines à la fois. Et donc, je pétais la forme. Pendant, on va dire, 3, 4, 5, 6, 7 jours maxi, je pétais la forme. Du coup, j'étais en activité toute la journée parce que, du coup, comme j'étais fatiguée avant, ma liste de choses à faire, elle se rallongeait. Donc, j'étais, ah ouais, chouette, j'ai de l'énergie, je peux faire, je peux faire, je peux faire, je peux faire. Et je dormais pas beaucoup, je faisais beaucoup. Et bien, du coup, ben, l'énergie, au bout d'un moment, par rapport à mes capacités physiques, ben, elle retombait. Ça tenait pas puisque je prenais pas plus soin que ça de mon sommeil. Et l'alimentation, je prenais pas soin de mon alimentation non plus. Je dis pas que je mangeais super mal ni que je mangeais super bien, ça dépendait des moments. Bon, voilà, plus ou moins, mais je travaillais pas sur ce point-là de l'alimentation. Et du coup, comme au bout de quelques jours, ben, j'étais épuisée, ben, j'arrivais plus le matin à faire mon sport. Et vu que j'étais frustrée aussi, je mangeais encore plus mal. Je me réfugiais dans l'alimentation, donc j'avais encore moins d'énergie et donc je pouvais encore moins faire de sport, donc c'était le cercle vicieux encore qui reprenait. Il y a d'autres moments où je me suis dit, bon, je vais refaire attention à mon alimentation. Je sais que quand je mange bien, d'une manière qui est plus adaptée à mon corps, d'une alimentation qui est plus proche de l'alimentation physiologique, ça me donne de l'énergie. Alors le truc, c'est que j'avais tendance à changer du tout au tout, d'une alimentation. On va dire hypotoxique, voire classique. Je vous en dirai plus sur qu'est-ce que c'est ces alimentations si vous ne connaissez pas. Je passais de ça à tout d'un coup une alimentation crudivore du jour au lendemain. Et donc quand on fait ça, le cru, il y a énormément de bons nutriments. C'est une alimentation dans laquelle il n'y a pas de molécules néfastes, il n'y a pas de toxines issues de la cuisson. Et donc du coup, au bout de 3 jours, je pétais la forme. Et encore rebelote, j'avais au taquet d'énergie, mais ça ne tenait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, le corps, il y a une phase où il y a beaucoup d'énergie, mais après, le corps, il utilise cette énergie-là, il se dit, ah chouette, j'ai plein de bons nutriments, donc il utilise cette énergie pour nettoyer le corps, pour détoxiner, faire un nettoyage en masse, et ça peut être extrêmement fatigant, épuisant, on se sent fatigué, on traîne la patte, et du coup, je faisais le yo-yo comme ça, entre alimentation, sport, sommeil, des moments où je prenais soin, je prenais pas soin. Et du coup, je n'arrivais pas à tenir mon énergie sur la durée. Là où ça a commencé à marcher, c'est quand j'ai commencé à modifier tous ces domaines-là, mais de manière un peu plus douce et en les tenant dans le temps, en arrêtant de faire je fais, je fais pas, je fais, je fais pas, et en commençant en priorité par le repos, le sommeil. Ça, c'était vraiment la priorité. Au niveau des plantes médicinales, parce que je vous en ai parlé en début de vidéo, par le passé, je faisais des cures, c'est-à-dire j'en prenais pendant une semaine, 2 semaines. Et puis comme ça commençait à aller mieux, bah, j'arrêtais les plantes. Et petit à petit, l'énergie a reparté. Mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé un équilibre en prenant les plantes. Au début, je les prenais tous les jours, puis tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Il faut, enfin, moi, dans mon vécu, en tout cas, pour sortir de la famine chronique, il faut pas changer une habitude. Du tout au tout comme ça, du jour au lendemain, il faut vraiment y aller progressivement. Donc concernant les plantes médicinales, je faisais comme ça, j'écartais petit à petit, jusqu'à aujourd'hui j'en prends une par semaine, une gélule par semaine.
Il y a eu l'homéopathie aussi qui m'a aidée cette année, en début d'année, et que j'ai complètement arrêté là il y a quelques semaines. Je sentais que mon énergie tenait le coup et qu'il y avait le fait de trouver un équilibre sur tous les domaines. Ça me faisait tenir mon énergie, donc j'ai commencé à enlever une chose, mais j'ai pas tout enlevé d'un coup. J'ai pas enlevé l'homéopathie et les plantes médicinales. J'ai gardé les plantes une fois par semaine. Donc j'ai fait progressivement, une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 5 jours. Après, je me suis dit, ça serait bien de le prendre toujours le même jour de la semaine, parce que parfois, il peut y avoir des effets. Et notamment, quand je reprenais les plantes, quand je les avais pas prises depuis longtemps, l'effet que ça faisait, c'est que ça me. Un peu comme un somnifère, ça me faisait vraiment être très envie de dormir. Et je pense, je me dis, ben, peut-être que quand on dort, le corps il se régénère, donc c'est une bonne chose en fait. Ça ne veut pas dire que les plantes sont mauvaises pour moi, mais je voyais clairement qu'après une bonne nuit de sommeil, avec comme je sais que ça me fait dormir, je les prends le soir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le prendre le matin. Et ça me fait faire une bonne grasse matinée. Et ensuite, les jours suivants, j'ai l'énergie qui est remontée. Donc déjà, première chose, j'avais les plantes médicinales et le sommeil. Donc là, j'ai décidé de fixer, en fait, ce que je vous conseille, c'est de vous fixer des horaires précis, de vous endormir toujours plus ou moins à la même heure, de vous réveiller toujours plus ou moins à la même heure. C'est très important pour trouver un équilibre de sommeil, pour que votre sommeil soit efficace. Je pense que c'est assez logique, enfin, c'est des choses qu'on connaît plus ou moins, mais voilà, je me permets de le rappeler, c'est très important, moi ça a marché pour moi. Si vous vous couchez un coup à 21h, un coup à 23h, un coup à minuit, un coup à 22h30, surtout que les cycles du sommeil, c'est des cycles d'environ 1h30. Et donc, si vous ratez votre premier train, par exemple, qui est à 22h, moi, c'est par exemple quand j'ai un train, je me suis calé à 22h, bah, le prochain, il est vers 23h30. Donc, si vous vous couchez entre les deux, vous allez avoir du mal à vous endormir. Quand le début du cycle du sommeil, en fait, c'est comme une porte d'entrée dans le sommeil, on facilite l'endormissement. Si, voilà. Ça c'est très important. Et petit à petit, quand vous retrouvez, vous avez plus d'énergie, vous voulez vous coucher plus tard, eh bien vous vous couchez 1h30 plus tard ou vous vous réveillez 1h30 plus tôt. Et moi j'ai eu une période où je me suis dit, je vais pratiquer le sommeil polyphasique. Donc ça c'était pas forcément. Si, il y a une partie qui me permettait d'avoir plus d'énergie en pratiquant ce sommeil-là. Mais pour pratiquer le sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'en enlevant un cycle de 1h30 la nuit, on rajoute une sieste de 20 minutes la journée qui nous permet en fait d'avoir en faisant ça, on arrive à dormir en sommeil paradoxal dans ces 20 minutes de sieste, sachant que dans un cycle de 1h30, il y a à peu près aussi 20, 15, 20 minutes de sommeil paradoxal. Donc, alors je vais essayer de retrouver mon fil, qu'est-ce que je disais sur ça? Oui, il y a des moments où quand je commençais à pratiquer ça, ça marchait, quelques jours. Et puis après, ça ne tenait plus si je ne travaillais pas sur le domaine de l'alimentation et de la pratique sportive aussi. Et donc, en fait, au lieu de me buter de manière un peu stupide, la persévérance, c'est bien, mais si on persévère de manière stupide, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Et voilà, il y en a qui parlent du sommeil polyphasique. Il y a des périodes où je me dis, j'y vais à fond, je le fais, et je me suis quand même fatiguée à faire ça. Et donc, il y a quelques mois, bah, c'était depuis, j'ai commencé à mettre ça en place depuis un an environ, je me suis dit, bah, en fait, je vais travailler sur les autres domaines aussi que le sommeil. Et quand j'arriverai à avoir augmenté petit à petit mon énergie et qu'elle sera stable depuis, elle sera plus haute et stable depuis quelques jours, quelques semaines plutôt, pour que ça soit vraiment stable, on ne va pas attendre quelques jours. Eh bien, je vais commencer à enlever un cycle de 1h30 la nuit. Et en fatigue chronique, je dormais énormément. C'était hallucinant. Et voilà, là, moi, je vous préconise d'agir ainsi pour pouvoir, si vous avez plein de choses à faire et que vous avez envie de moins dormir, enfin, de vous lever tôt, de vous coucher tard parce que vous avez des choses à faire, bien, travaillez d'abord sur votre sommeil, reposez-vous, améliorez à côté de l'alimentation, commencez une pratique sportive. Et quand votre énergie commencera à être plus haute et stable, vous pourrez commencer à enlever un cycle de sommeil la nuit. Et ça peut être intéressant aussi, avant d'enlever un cycle de sommeil, de rajouter déjà d'avance une sieste de 20 minutes la journée. Alors au début, peut-être que vous ne sentirez pas que c'est très utile. Et puis votre corps, il prendra, faire toujours la sieste à la même heure. Et puis votre corps, il saura qu'à ce moment-là, c'est un moment pour dormir.
Et quand vous supprimerez un cycle de sommeil la nuit, eh bien, la sieste pourra vraiment vous aider. Et surtout, ben, si vous avez des enfants, moi, c'est... Voilà, j'ai des enfants et c'est vrai que quand ils se réveillent la nuit, ça participe aussi à la fatigue chronique. Et ça, c'est une très bonne astuce de faire une sieste de 20 minutes la journée, toujours à la même heure, puisque si dans la nuit, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on ne va pas dormir suffisamment, on a ces siestes, une, deux, trois ou quatre siestes dans la journée. Bon, voilà, ça je vais pas, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas rester des heures sur le sommeil polyphasique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc moi, voilà, c'est ça qui m'a énormément aidée au niveau du sommeil, du repos. Et aussi, c'est de... bien sûr, je me fixe des choses, des objectifs dans la journée, des trucs à faire. Mais il y a des moments où je suis vraiment très fatiguée et ben j'accepte, je lâche prise et je me repose en fait. Je me dis, c'est ok avec ça. C'est pas comme si... je sais que ça va pas durer pendant des jours. En général, ça dure un jour, deux maximum, et après l'énergie elle remonte. Il n'y a pas de souci. C'est là où on se bute à vouloir être en activité quand on est fatigué, que là on risque de replonger en fatigue chronique ou de alors qu'on était en train de sortir, de pas s'en sortir et de continuer à rester en fatigue chronique. Donc accepter aussi l'état dans lequel on est, c'est très important. Donc la pratique sportive, je vous l'ai dit, c'est de reprendre petit à petit. Commencer. Si vous ne connaissez pas un sport, vous ne savez pas comment faire depuis chez vous, c'est très simple. Vous commencez par il suffit de bouger de la chaque partie de son corps, en fait, d'activer un petit peu les réseaux, les méridiens, d'activer les muscles de votre corps. Moi, j'étais tellement devenue... j'avais perdu complètement ma musculature, tellement je ne faisais plus de sport pendant des années, alors qu'avant d'avoir les enfants, je faisais 11 heures de sol mudo par semaine et plus de 10 heures de danse, 20 heures de danse par semaine. Enfin, je sortais danser le soir, je donnais des cours, j'avais des groupes de danse aussi, des partenaires de danse. J'étais tellement, pendant des années, j'ai tellement peu fait de sport que j'arrivais plus à me tenir droite en fait. J'étais extrêmement voûtée, j'avais plus d'énergie et ça m'a généré un tremblement essentiel. C'est-à-dire les muscles, comment le chiropracteur ou je sais plus qui c'est, l'ostéo m'avait dit, c'est les muscles de maintien, je ne sais plus comment ça s'appelait, des muscles qui permettent de maintenir la tête, la stabilité de la tête. Et j'avais des douleurs, j'étais extrêmement tendue au niveau de la nuque et des trapèzes, parce que mes muscles essayaient de maintenir ma tête, mais j'étais vraiment sous-musclée et j'arrivais vraiment pas à me tenir, j'étais voûtée, j'arrivais pas du tout à me tenir. Et le fait de reprendre une activité physique, voilà, c'est très important. Donc si vous ne connaissez pas, c'est pas de sport, il suffit. Tout simplement, soit vous commencez assis et vous commencez par boucher vos orteils, vos chevilles, la tête, les mains, les bras. Si vous êtes trop fatigué pour être debout ou si vous êtes debout, c'est très bien aussi si vous y arrivez debout. Mais si vous n'y arrivez pas, commencez assis, tout simplement. Assis sur une chaise ou assis sur le sol, les jambes allongées ou en tailleur, peu importe. L'important, c'est de commencer à rebouger le corps, à marcher, sortir, marcher dehors. Ça peut être trottiner, courir 5 minutes, 2 minutes, peu importe, il faut rebouger le corps et ça ne sert à rien de se dire à partir de demain je me motive, je vais faire une heure de sport 3 fois par semaine, ça va pas marcher. Il faut reprendre vraiment progressivement, c'est très très important. Donc vous commencez par 5 minutes par jour, 10 minutes, 15, 20 et vous augmentez pas trop rapidement. Il faut on pouvait essayer de vous pousser un petit peu, sentir, allez, je fais une pompe de plus, par exemple, si vous faites des pompes, c'est pas obligé du tout, mais si vous faites, je fais, allez, 30 secondes de plus, une minute de plus, quand vous sentez que vous commencez à en avoir marre, que ça commence à être trop fatigant. Mais il faut pas se forcer à dire, alors on est déjà épuisé, mais se dire, je vais en faire 5 minutes de plus, allez, je peux le faire. Non, pas du tout, ça c'est une très mauvaise idée, vous allez retomber en fatigue, en épuisement. Donc voilà, il faut être juste à la limite, et petit à petit, tout doucement repousser la limite. Donc ça, c'est pour la pratique d'une activité physique. Pour l'alimentation, je vous conseille d'avoir une alimentation déjà hypotoxique, de supprimer les aliments les plus néfastes et d'intégrer des aliments vivants, des fruits, des légumes crus, des oléagineux, des fruits séchés, ça peut être aussi de la viande et du poisson cru si vous aimez, si c'est que votre corps il en a besoin. Donc moi, je le conseille cru ou éventuellement cuit doucement parce que les viandes ou les poissons gras,
quand ils sont cuits, ça crée des molécules extrêmement toxiques avec la cuisson. La combinaison entre le gras et les protéines, c'est extrêmement mauvais au niveau de la cuisson. Donc c'est pour ça que je vous parle d'éventuellement de cuisson douce, mais de consommer des aliments crus. Parce que quand on supprime des aliments, on peut se sentir frustré, on a envie de retrouver certains plaisirs. Donc mangez des aliments qui vous font plaisir, mais dans les fruits, dans les légumes crus. N'hésitez pas à vous faire un repas que de mangue, un repas d'ananas. Attention à l'ananas, si vous sentez que ça picote, n'allez pas plus loin, parce que ça veut dire que là, votre corps, il en a plus besoin. Et si on insiste, ça va vous brûler encore plus. Donc dès que vous sentez que ça picote un tout petit peu, il faut arrêter tout de suite, parce que sinon ça va empirer. Voilà, petite parenthèse sur l'ananas, très importante. Je ne veux pas que vous dites « Ah, mais c'est Solange, la coach en santé, se régénérer, coach pour une santé régénérée qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un repas d'ananas. » Non, 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 si ça vous brûle, si vous n'aimez pas l'ananas, etc., ne vous forcez surtout pas. Je suis vraiment en train de vous parler de consommer des aliments qui vous font plaisir. Donc voilà, peu importe, ça peut être de la banane, de la pomme, du raisin, de la pastèque, du concombre, de la tomate. Mangez ce qui vous fait plaisir, ne vous forcez pas à manger des crudités, des fruits, parce qu'il faut en manger, parce que ça donne de l'énergie, de la vitalité. Surtout pas ça, ça va pas marcher sur le long terme. Donc, supprimez les aliments les plus néfastes, qui sont les aliments, les sucres, comment on appelle ça, les poisons blancs. Donc, le blé, farine de blé, ça c'est extrêmement nocif. Ça vous pompe énormément, ça fatigue énormément, le gluten c'est de la glu en fait, ça colle aux intestins, ça fatigue énormément les intestins, le corps, la digestion est une activité qui nous prend énormément d'énergie. Améliorez votre alimentation pour une alimentation plus physiologique, adaptée à votre corps, et vous verrez que vous allez vraiment retrouver beaucoup d'énergie de par plusieurs éléments. Le fait de ne plus manger, de manger moins d'aliments néfastes, de molécules toxiques pour le corps, et forcément il est moins toxiqué, donc le système immunitaire il travaille moins, donc quand il travaille beaucoup tout le temps, et le système immunitaire il est en fatigue chronique, on est fatigué aussi, il n'y a pas que nous, il y a notre système immunitaire aussi épuisé. Plus d'énergie parce qu'il y a plein de bons nutriments, plus d'énergie parce que la digestion elle est beaucoup plus facile, donc plus d'énergie, voilà. Donc le blé, le sucre raffiné également, les produits laitiers qui sont extrêmement très néfastes, que vous allez être très fatigué en consommant des produits laitiers et vous allez retrouver l'énergie en supprimant les produits laitiers. Si c'est trop dur pour vous de tout supprimer, commencez, c'est exactement comme l'histoire du sport, comme l'histoire du sommeil, du repos. Commencez par supprimer un aliment pas forcément supprimer en entier, vous pouvez vous autoriser de temps en temps à en consommer, mais l'idée c'est d'améliorer l'alimentation, avoir une alimentation qui permet petit à petit d'aller vers une alimentation qui apporte de plus en plus d'énergie et qui va vous prendre de moins en moins d'énergie par la digestion qui est compliquée, par le fait que ça apporte des toxines dans le corps. Si vous voulez avoir plus d'informations sur quelle est l'alimentation physiologique adaptée à notre corps, vous pouvez télécharger le livret « Découvrir et comprendre l'alimentation physiologique pour une santé à son plein potentiel », puisque effectivement, c'est logique, si on adopte une alimentation qui est adaptée à notre corps, ben c'est là où on va avoir le plus de santé, le plus d'énergie. On voit au niveau des animaux, vous donnez un aliment à un animal qui n'est pas de son régime alimentaire, par exemple, on va prendre l'exemple d'Histoire de la vache folle, la vache est un herbivore, si vous lui donnez des farines animales, eh bien, sa santé ne va pas être à son meilleur potentiel, et donc ça a donné le problème de la vache folle, avec, c'était des problèmes au niveau du cerveau, j'ai plus exactement, voilà, c'était au niveau du cerveau, il y a eu des problèmes. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette alimentation, l'idée c'est pas forcément de changer du jour au lendemain, mais de vous en rapprocher le plus possible pour vous retrouver de l'énergie, et pas être trop strict avec vous-même, autorisez-vous de temps en temps, si vous voulez, à consommer ces produits. Encore une fois, le plus important, c'est qu'il y ait des pas en avant, une amélioration, et que ça se fasse petit à petit. Améliorer de chaque semaine, chaque mois, au fur et à mesure des mois et des années, que vous ayez avancé dans une alimentation plus énergisante, ce qui permet au corps d'avoir plus d'énergie. Et pareil pour le sport, voilà. Commencez doucement. Il faut savoir que les grands sportifs, ils commencent pas par des entraînements
qui font quelques semaines, quelques mois avant les Jeux Olympiques. Ils se préparent plusieurs années à l'avance. Ils augmentent leur performance petit à petit au fur et à mesure des années. Donc c'est important aussi, pour arriver à faire cela, d'être réaliste avec nos capacités du moment. Moi, je le vois avec moi, c'est vrai que j'étais tellement obsédée par l'idée de... Moi, je suis quelqu'un, depuis toute petite, je suis beaucoup dans l'action, j'ai toujours plein d'idées, toujours envie de faire plein de choses. Et du coup, c'était difficile pour moi de réaliser, d'accepter l'état dans lequel j'étais. Il faut arriver à être réaliste par rapport à aussi les choses qu'on veut faire, quel temps ça va nous prendre, quelle énergie ça va nous prendre. Ou quand on dit oui à quelqu'un, quand on dit oui à une invitation aussi, être réaliste de se dire bah, est-ce que je vais avoir le courage de sortir de cette soirée suffisamment tôt pour prendre soin de mon sommeil? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc peut-être que je vous en parlerai plutôt dans... Je développerai cet aspect dans une autre vidéo, le fait d'être réaliste sur notre vie, sur ce qu'on a envie de faire. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, je vous ai parlé des trois domaines à améliorer de manière équilibrée, améliorer en même temps et progressivement, de manière stable, voilà, rester stable et progresser dans cette stabilité, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Donc être réaliste avec son sommeil, c'est pas se dire oh ben, c'est bon, je vais regarder un film avec mon chéri, ça ira demain matin, je vais me lever super tôt parce que j'ai des trucs à faire. Alors que, en fait, si on est réaliste, on prend du recul, ben, on sait très bien qu'on va s'épuiser à faire ça parce qu'on est en ce moment, c'est pas ça. On a plus besoin de repos que de se réveiller tôt. Le sport aussi, être réaliste, c'est savoir qu'on part de zéro, on est retombé très bas, on a perdu nos muscles, notre musculature, on n'a pas d'énergie. Donc, être réaliste, c'est se dire, ok, j'en suis là aujourd'hui, ça sert à rien de me dire demain, je vais faire 1 heure de sport parce que, allez, je me motive à retrouver de l'énergie. Et pareil pour l'alimentation, être réaliste, c'est se dire, bah, est-ce que je me sens capable de changer une alimentation de telle manière? Est-ce que ça va pas être trop strict pour moi? Voilà. Donc c'est très important d'améliorer ces trois domaines progressivement en même temps et d'être réaliste face à notre état. C'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire pour sortir de la fatigue chronique, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc de ces trois domaines vraiment qui m'ont extrêmement aidé à partir du moment où j'ai amélioré progressivement en même temps tous ces domaines. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!